Salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte, voilà. Donc je crois que j'ai trouvé un des premiers coffres légendaires, voilà, du jeu. Donc il y a plusieurs coffres légendaires dans le jeu à découvrir, et j'ai l'impression que j'en ai découvert un. Donc on va l'ouvrir maintenant et je vais vous montrer la position. Voilà, donc ceinture de pèlerin. Donc à mon avis c'est une armure légendaire. Donc en fait si vous voulez sprinter et récupérer du stuff légendaire rapidement, voilà, je vous donne l'emplacement du premier coffre, donc qui est dans le temple de la déesse de l'arc d'or. Hop, je vous donne le petit emplacement, donc c'est dans la zone de Malice, juste à côté du point d'observation des ruines d'Artémis. C'est juste là, vous avez quelques mobs à tuer, et vous récupérez normalement, je pense que c'est pour tout le monde, c'est la même pièce de stuff. C'est la ceinture de pèlerin, voilà, qui est assez stylée, elle ressemble à une ceinture couleur, c'est aux couleurs d'Assassin's Creed les premiers, j'ai l'impression. Et du coup, en fait, d'une étoffe simple, elle a été bénie par des prêtres afin de permettre un voyage serein. Du coup, 11 en dégâts d'assassinat, ce qui est pas mal du tout. Et 15 en adrénaline pour assassinat. Donc, c'est une armure d'assassinat, c'est complètement une armure d'assassin. C'est quand même pas mal pour débuter le jeu, sachant que vous pouvez voir ce coffre à peu près n'importe quand dans le jeu de toute manière. Vous avez, hop, la zone, c'est une zone 20-21. Enfin 21-21, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de trouver d'autres coffres légendaires et vous faire les vidéos des emplacements des coffres légendaires. On se retrouve à la prochaine. Peace.